La nouvelle Cité des Enfants présente des activités totalement nouvelles par rapport à l'ancienne Cité des Enfants 3-5 ans, à part quelques grands succès qu'on a conservés comme le chantier. Pour concevoir ce nouvel espace donc pour les enfants de 2 à 7 ans, d'une part on a fait des tests auprès de certains enfants quand ça s'avérait nécessaire pour tester des idées, et puis on a aussi travaillé avec un certain nombre d'experts qui connaissent bien ces enfants, leurs capacités, leurs intérêts, leurs plaisirs. Les principales activités qu'on propose dans la Cité des Enfants de 7 ans sont tournées vers l'enfant lui-même. C'est-à-dire que c'est un âge où l'enfant est encore petit, n'a pas encore l'âge de raison, ce fameux âge de raison. Donc on n'essaye pas de lui apprendre des choses, on n'essaye pas de faire de la culture scientifique. On essaye plutôt de lui donner confiance en lui à travers des jeux amusants dans lesquels il va exercer toutes ses capacités, parce que même petit, un enfant sait faire des tas de choses. La Cité des Enfants, c'est évidemment un espace pour les enfants. Mais on a aussi pensé aux adultes, que ce soit les parents, les grands-parents ou les enseignants. C'est aussi un espace pour eux, c'est-à-dire qu'on les incite à participer à la visite ou parfois à se mettre en retrait, mais disons d'être présents. Ce n'est pas uniquement des porte-manteaux, comme on dit en rigolant. C'est vous n'êtes pas là que pour accompagner votre enfant et le laisser jouer pendant une heure et demie. Vous aussi, vous y trouverez de l'intérêt à mieux comprendre, mieux observer votre enfant avec les autres. C'est vraiment un lieu merveilleux d'observation des enfants. Et au-delà même de l'observation, c'est un lieu où on peut jouer avec lui, où on peut participer, où on peut l'encourager pour les plus timides, où on peut parfois se comparer à lui pour voir que, comme je le disais, sur les capacités par exemple de la souplesse ou pour certaines capacités motrices qui sont très importantes chez le petit, le parent, il est moins bon que l'enfant, et ça c'est quelque chose de très valorisant pour le petit.